Ah, donc j'ai rien compris à ta phrase en fait. Ok, 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 attends. Deux secondes. Je me concentre sur la zone de pêche. Oui, il faut se concentrer pour pêcher. Je vais sortir, j'ai les appâts rares là, puissants. Y'a personne, t'as, y'a personne dans cette zone. Incroyable, changer l'appât, vite, 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 vite. Eau douce, bigorneau, on est bon. Là, on va pêcher les trucs de ouf là, c'est parti. Là, on va pêcher du poiscaille de qualité, les gars. Oh, regardez, là, il est costaud. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est du costaud. Allez, viens là, toi. Viens là. Canne à pêche légendaire, appât rare, tenue de pêcheur. Grand, ouais, parfait. Un poisson rare, impeccable. Go, 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 go. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Allez. Go, 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 go. Le bigorneau légendaire. Eh, ça a bien marché la dernière fois, les bigorneaux, au final. Hein. 16 bigorneaux, 17ème, c'est un poisson légendaire. Allez. Boum. Un coffre. Trop bien. Attraper les poissons rares, tiens. Magnifique. J'ai pas le truc. Non, non, vite, 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 vite. Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Donc ouais, Midra, par exemple, c'est pas une question d'Alsace, je suis en centre-ville. Mais quand je te dis que je suis en centre-ville, je suis dans la vieille ville de Célestat, quartier piéton. Donc c'est là où c'est le plus cher quasiment à Célestat. Salut Marketing AFK. Ah, ça marche. Salut Baxi, t'as pas dit bonjour. Je vais te donner une chance de dire bonjour quand t'arrives sur la chaîne. Bonjour à toi. Non, 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 non. Vite, vite, vite. Un petit bonjour quand on arrive. Putain. Trop de puissance. Marketing AFK. On va se mettre sur bonjour. Bonjour Snow. Et bonjour à toi. Merci néanmoins pour le backseat. Là j'avoue qu'il est bien utile en termes de feature. Sur les features ça me dérange pas trop en vrai. Oh, poisson légendaire. Je le reconnais, c'est le mange. C'est le poisson là avec ça. Viens là, viens là, viens là. Ah non, c'est un barbeu. Oh, un nouveau. Oh, il est beau. Un barbeu à sang bleu. Stylé! On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Lui, je voulais le voir pour le coup. Salut Sephiroth! Sephiroth. Alors, Stranger of Paradise, t'avais été jusqu'où au final? Bah oui, Abitra. Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi les prix étaient différents? C'est comme à Paris, tu vois, t'as des endroits où ça va être à 5000 euros le mètre carré et d'autres à plus de 25000. Putain, deux poissons légendaires d'affilée! Le même, deux fois d'affilée! Incroyable. Ok. Ok. Non, 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 non. Vite, j'ai mal visé. Voilà. Putain, deux poissons légendaires d'affilée. Incroyable. Un troisième. Attends, laissez l'air vénère, là. Allez, 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 allez. Putain, la zone de pêche, elle est ouf. Un grand poisson spatule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une sorte d'espadon. Ah oui, spatule, d'accord, ok. Ok, on continue, on continue, on continue, on continue. Je te lis après, Niben. Prends pas mal, là. Là, c'est la... c'est du rush de pêche, là. Je crois que c'est encore la légendaire, les gars. Je crois que c'est encore un troisième poisson légendaire. Oh, la dinguerie. Ah non, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il est magnifique. C'était un qualité bleu, mais je l'avais jamais vu. Un grand chabot. C'est que l'alde de loyer, Mitra. Tu te trompes sur le terme. On en parle après. Je me concentre sur la zone de pêche. Ah bah c'est bon, elle est finie, c'est le dernier poisson. Ok, alors, tu dis des bêtises, Mitra. Pas de soucis, hein, des bêtises, mais faut que tu comprennes un peu. Ah, je comprends, il y a des phases comme ça. Phase série au film. Et un grand sclérophage. Ok. Alors. Ok. C'est peut-être moi qui dis bêtises. En vrai, je viens de tilter un truc. Ok, attends, regarde après. Ok, le grand chabot. Il était beau, lui. Un chabot de belle taille à cuisiner ou à recycler pour récupérer les écailles de chabot. Un ingrédient utilisé en alchimie. Enfin, je recycle, moi, toujours. Ah, en fait, je peux cuisiner le poisson directement. Je suis pas obligé de le recycler. D'accord, ça dépend des poissons. Moi je recycle de base, mais ok. Ah, il y a le petit chabot et le grand chabot. Et donc j'ai eu un nouveau poisson légendaire que je connaissais pas.
le barbeau à sang bleu. Et c'est pour décorer la maison, donner un bonus à votre score d'orientation. Donc lui, il est là que pour décorer. Hein. Lui, par exemple, il est là pour être recyclé pour obtenir un appât. Ah, tu recycles un poisson légendaire pour obtenir un appât qui permet de choper du saumon. Ok. Lui, je crois que c'est pour le bouffer. Lui, c'est pareil, tu le bouffes. Lui, c'est pour décorer la maison. Et lui, je sais pas. Ok. Ok. C'est trop stylé la pêche, là. Et ouais, même la pêche est trop bien, les gars. Vive la pêche. Périple. J'ai fait quoi? Ah, ça y est, j'ai fait mes 1000 livres. Je sais pas combien ça fait en kilos. 1000 livres. C'est pas genre 500 kilos de poisson pêché, je crois. Pas mal à la saison. Et niveau 56 du Battle Pass. Ok, faut que j'aille buter maintenant un ennemi nommé à Sulfur. Très bien. Ça progresse tranquillement, mais sûrement. Ah, j'ai eu deux coffres, c'est la teuf. Bon. Alors. On va faire les choses dans l'ordre. Niben. Mon proprio, je paye 150 euros par mois de remboursement, 90 mètres carrés. Ouais, ouais. D'accord, ouais, c'est ce que disent aussi Ritaros, effectivement, dans ton cas, c'est plus intéressant. Peut-être un truc de belge. Plutôt aussi location. D'accord. Ok, ensuite, une livre égale 453. C'est en grammes, hein, je suppose. Masto. Coucou à toi. Grammes, ok, ouais, c'est ça. Donc, ouais, à peu près 450 kilos de poisson. C'est pas mal, ouais. On vient de pêcher en quelques jours 450 kilos de poisson. C'est pas dégueu. Ok, Midra. Alors, prix mètre carré moyen en France. Tiens, je suis curieux d'ailleurs. Tiens, voilà. Pour donner un peu une idée, Midra, le prix moyen au mètre carré en France est de 3000 euros. Alors, cette donnée est très variable, étant donné que, comme tu peux voir, ça va être grandement basé sur la région. Par exemple, Paris, c'est débilement cher, la Côte d'Azur aussi. Là où je suis, tu vois, effectivement, on peut voir que c'est une zone orange, donc un peu plus cher. Seine-et-Marne, attends, je vais pas faire le connard, mais Seine-et-Marne, c'est 77, non? Désolé, ça fait un bail que j'ai pas... Ouais, c'est 77. Donc toi, t'es en Seine-et-Marne, t'es là. T'es en Ile-de-France, on est bien d'accord. C'est ça, le Seine-et-Marne, non? Je suis pas trop nul en géographie. 77, c'est ça. Donc, tu vois, t'es quand même... Tu as pris mètre carré moyen en Seine-et-Marne. On est à... appartement 3003, maison 2006. Et toi, actuellement, tu m'as dit que tu payes combien? Donc, 880 litres pour 140 mètres carrés. Donc, tu payes vraiment pas cher. Donc, tu vois, en fait, c'est pas moi qui paye cher. C'est toi qui payes vraiment pas cher parce que, comme tu as dit, t'es dans un coin perdu. Mais donc, pour donner donc, à l'échelle de la France... Le prix au mètre carré moyen. Après, là, c'est, toi, t'es en location. Attends, prix. Ça, il faut regarder en location. Attends, prix mètre carré moyen. Location en France. En France, on est à 13 euros. On est à 13 euros. Donc, tu devrais payer à peu près 1000 euros, un peu plus de 1000 euros par mois, logiquement. Donc, tu as effectivement un prix bas. Voilà. Donc, c'est après, pareil. De toute façon, les zones, hein, Paris, là, c'est complètement gogol. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut bien comprendre que ça dépend bien sûr de l'endroit. Donc là, par exemple, moi qui paye 2500 euros... Moi qui paye 850 euros... moi qui paye 850 euros pour 125 mètres carrés, je paye pas très cher en moyenne. Par exemple, à Paris, mon appartement, il coûtait 1600 euros par mois. Je le payais pas ce prix-là, mais il coûtait 1600 euros par mois pour 60 mètres carrés. Et c'était... C'est quand même assez cher, ça. Autre exemple, je suis en train de vendre actuellement mon dernier appartement donc sur Paris. J'en ai un que je vends. Je le louais, pour donner un peu une idée, hein, Midra, 36 mètres carrés, je le louais 1200 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'il était dans le quartier de la Butte aux Cailles et le prix au mètre carré en vente là-bas est entre 11 000 à 12 000 euros. En plus, avec vue sur parc et tout. Donc, il faut vraiment bien se rendre compte que la France est très disparate en termes de prix. Et qu'il n'y a pas de notion de payer. Moi, je ne paye pas cher actuellement. Me dire, tu vois, que tu trouves que je paye cher pour 850 euros pour 125 mètres carrés. Non, je paye vraiment pas cher. C'est juste une question d'endroit. Est-ce que tu es en ville? Est-ce que tu es en campagne? Est-ce que tu es dans une région côté ou pas? Il y a plein de trucs à prendre en compte. Ok. Bonsoir, Zax. Donc, coucou ces filles. Ok. Pourquoi je me retrouve... Mais comment je me retrouve chez cette personne? Qu'est-ce que je... Ah, oh, putain, Kofi. Qui raide des gens... Ok.
Ok, alors, paf. Chaussures honorables. Je les ai pas déjà, celle-là. 4 de signifiant de là. On va remettre mon stuff. Faut que j'aille juste buter un nommé. Un seul. On va le faire. On va aller buter un nommé. Et je sais qu'il y en a là-bas. Peut-être que tu les prises malines auront rip-hop. Croisez les doigts. Ah! J'ai reçu mon contrat au lit, tiens, il est temps. Ça fait plaisir, ça. Tu veux quoi exactement? Oli. Ok. Bon, va falloir que je regarde plein de trucs, moi. J'ai reçu le contrat Oli. On va devoir étudier ça tout en détail. Donc voilà, comme je l'ai dit, il est déjà actif. Sauf si je le refuserais, mais je ne le refuserai pas. Le contrat Oli est très avantageux pour moi. Donc. Il est aussi forcément aussi pour eux. Et je suis bien content. Tu l'as pas envoyé le... T'as fait quoi, Nat? Ah, c'est... Je pensais que c'est toi qui... En fait, elle a pas vu la photo, c'est ça? Elle sait pas ouvrir un mail, hein. C'est... Oui, je sais. La... Ah... Non mais les gens savent pas ouvrir un mail. Non mais vraiment, hein, c'est une catastrophe. Hein. Ça, les boomers qui se foutent la gueule des jeunes, qui savent pas utiliser une Game Boy ou un téléphone rond ou je ne sais quoi, demander à un cinquantenaire dans un bureau d'envoyer un mail, il est perdu le gars. Hein. Donc bon, facile de juger mais... Oh la bouffe Dritz. Déter. Trop beau. Saison 2, donc le périple, chapitre 5. Ok, maintenant faudrait que j'aille faire la mission de faction en vrai. JCJ, foyer d'altération, marcheur des sables, c'est l'incubateur. Les glyphes aussi, tiens là. Est-ce qu'il y a les glyphes dans le coin? Attendez. Est-ce qu'il y a les putains de glyphes dans le coin? Il y en a une là-bas. Elle est. Ici, c'est parti. Il manque encore cette glyphe. Let's go. Mais parce qu'elle te prend pour une conne, étant donné que les gens sont cons. C'est pour ça, moi, je me mets aussi à la place des gens de Free ou autre, hein, parce que comme les gens sont demeurés... Ah oui, Strayed, ok. Je pense que les gens dans le service qui fait le SAV des FAI, ça doit être terrible mentalement. Hein. Ah non, je l'avais pas. Salut, Cogmatrix. Nice! Une que j'avais pas. Trop bien. On va continuer les glyphes. Hein. Alors, la prochaine, elle est où? Ok, tout au sud. Tout au sud de Castro. Ah merde, c'est un bastion élite! Que j'aille faire les zones élites, d'accord. Elle est pas déjà validée? Si. C'est lequel? Glyph GA, je dois pas l'avoir ça. Je me demande si je pourrais y aller en courant.
Ah, je l'ai pas. Est-ce que je pourrais le choper? Ça doit être chaud. Ça doit être derrière des boss et tout. Ça va être compliqué à choper, je pense. Ça sent le truc. Il faut clean la zone d'abord pour y aller. Ce qui serait normal. Complicado. Hein. Ah, j'ai pas le retour à l'auberge. Oh! Envoyer un email avec la Game Boy, hein. C'est ça la vie, hein. C'est pas ça la vie. Ouais. Oui, bah oui, normal ça. Ok. Ouais, il est bien le contrat au lit. Hein. Il est bien le contrat au lit, ça va être cool. Ok, périple. Bon, l'église, sinon on verra plus tard. Il en manque 6 encore. Ça, je pourrais pas. Mission de faction, je peux aller le faire vite fait, celui-là. On peut aller faire... Léna, je crois que j'en ai 3 actuellement. Je sais plus. Mission de faction... En vrai, juste marrer les trams, tiens, y'en a ici. Il est rapide. Les spécimens que vous m'avez apportés vont voilà. Beaucoup... Au pire, hein, on se prend pas la tête. Hop. C'est au nord, let's go. Voilà, on va aller faire la mission de faction tranquille. Ta-da. Ça. Mais il est trop mignon ce petit chat, Urza. Très très mignon. Il a une, la troisième photo, il a vraiment une bonne tête. Ah oui, c'est pas un bébé, par contre, effectivement. Ça, c'est vraiment terrible. Tous les gens qui abandonnent des animaux, ça me fume. Quoi. Même des chats, en fait, c'est que tellement de chats sauvages, les chats de tir. Si les gens arrêtaient de faire les connards avec ça. Ah oui. Bah Saucure, je pense que 90% de la raison pour laquelle il achète du holly, c'est pas le chat. Hein. Pour qu'ils aient les cartons, hein. C'est important. Ouais, il est mignon, Rio. Il a entre 1 et 2 ans. Okay. Bah, c'est vaste, mais ça marche. S'il est mignon. Qui est gentil et que t'es gentil avec, tout le monde est gentil, c'est le principal. C'est pas prévu cet effet. Oh, il y a 2-3 autres avantages quand même, acheter du holly. Hein. D'avoir les cartons pour chat. Je sais pas trop, moi je suis avec plus chien que chat, mais c'est quand même mignon quoi. À la limite, j'aime bien les chats, mais chez les autres. Oh, regardez cette région comme elle est belle. Hein. C'est vraiment partie des endroits où là je trouve le jeu très cinématographique. En fait, avec le petit brouillard, ça donne un côté super, super cinématographique le brouillard. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça rend vachement bien visuellement. Et c'est là qu'on se rappelle que New World, techniquement parlant, c'est imbattable au niveau des MMORPG, quoi. Le king du MMO sur l'aspect technique. Allez, on fait les petites quêtes de faction. Je crois que j'ai pas acheté mes gyps quotidiennes en plus. Dans la faction. Me semble. N. Alors, vaincre les voyers. Ils sont où ces salauds? Ils sont où ces salauds de dévoyés? Quoi, je rappelle, ce soir, je cale plus tôt. Je ne fais que. Il reste quoi, 17h? 22, ouais, je ferai que 8h de live aujourd'hui. Vers 20h et quelques, soit qu'on y va à 22h, même, ouais, en vrai, on est à côté. De toute façon, on mange avant, tu penses? Enfin, on mange. Oui, alors, excuse-moi, je sais pas parler, c'est ma faute. Moi, j'aurais mangé même avant de cut. En gros, je pense que. Là, avec le bagel, je pense que j'aurais vraiment. Genre, fin vers 20h, quoi. La séance était à 22h. Moi, si tu me fais à manger d'ici 2h et quelques, ça me va, quoi.
sais pas ce qu'on pense. Bah, un peu avant d'y aller. Ah, sauf pour être. Tu veux faire quelque chose avant, non? Je comprends pas. Chercher large patte. C'est trop mignon le nom de l'ours. Large patte. C'est trop choupi, je trouve. Je vais prendre mon stuff cac. Ah, mais j'avais pas vu, j'ai plein de trucs à valider. Ouais, peut-être moyen d'atteindre le niveau 60 aujourd'hui quand j'ai bloqué chapitre 5. Ce serait pas mal ça. T'en es où toi, Drago, du Battle Pass? Comme je sais que tu farmes hard. Et si c'était, t'as toujours pas formaté ça, je pense que t'as la flemme. Je comprends. C'est pour ça que mes SSD sont toujours 32. Okay. Sont toujours prêts à être formatés, hein, les SSD. Enfin, mon SSD principal, pour, parce que j'ai toujours un truc, il va déconner, je me rends pas la tête. Je formate et puis basta. Ça résout 99% les problèmes, le formatage. Oh, regardez, large patte, le gros nounours. Je suis désolé, mais je vais devoir le... Mais rassurez-vous, il rip-up. C'est vegan, étant donné qu'il souffre pas vraiment. C'est vegan, c'est vegan. C'est pour l'écologie, comme dans Monster Hunter. Et le dernier truc est tout là-bas. D'accord, c'est parti. On fait ça pour l'écologie, rassurez-vous. Escarmouche, arène. Bien. Alors, potion anti-alcaire imprégnée, de la bouffe. Oh putain, plein de bouffe. Nice. Et des petites bouffes, fois une, ok. Serment de vengeance. Qu'est-ce que c'est? Pas un truc PVP ça? Du tout, je l'ai. Où je l'ai eu, honnêtement, je saurais pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que je l'ai. T'es content avec ça? Ah! Est-ce que t'es heureux avec ça? Dans le doute, hôtel des ventes. Après, de toute façon, n'oublie pas dans le genre de jeu, hein. T'as un doute, hôtel des ventes. Ah! Est-ce qu'on a pas une demande d'unban? Oh, on a une demande d'unban. Je vais me téléporter. Ah! Ça y est. Ah, c'est génial, c'est parfait. Et là il peut pas l'enlever celui-là. Vous vous rappelez le l'autre taré que j'ai ban qui me... Attendez. Donc franchement la demande d'unban elle est goldée. Elle est goldée.